Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Survarium. Pourquoi? Parce que Breaking Point ne veut pas se lancer, parce que Miss Creative, j'arrive pas à rejoindre les serveurs. Voilà pourquoi. Putain, ça me gaffe, tous ces jeux qui font chier. C'est mon jour aujourd'hui, je le sens. En plus, ça va bien pisser encore aujourd'hui. Je vois les nuages bien dégueulasses s'amener là. Non, sérieusement, Breaking Point, j'arrive plus. Il veut même plus se login, c'est magnifique. C'est vraiment génial. Et Miss Kratit, depuis la bêta qui est sortie, le bon moment, bah, j'arrive plus à rejoindre un seul serveur. À chaque fois, j'ai connexion Lost, il n'y a pas que moi, j'ai été voir des serveurs. J'ai utilisé des programmes pour essayer de passer par le pare-feu pour autoriser tout mes. Sur l'antivirus, rien n'a marché, donc j'ai dit va te reculer. Ça fait chier parce qu'il a 4 Go de mise à jour, ça se fait, il serait bien. La dernière mise à jour, bah, c'était après la bêta, elle est sortie la mise à jour stable. Je l'avais testée et je trouvais plus d'armes, je trouvais plus rien, c'était un peu la dèche. Maintenant, ils ont l'air d'avoir rajouté tout ça, d'avoir corrigé, rajouté pas mal de trucs intéressants, donc je voulais tester, mais je l'ai dans le cul. Ah, ça fait une mise à jour, ça fait quoi? Ça fait presque un mois je crois. Et j'ai toujours ce même problème là, il est toujours pas corrigé, et c'est pas moi parce que c'est. Voilà, il y en a d'autres, j'ai fait par le pare-feu, ça marche pas, j'ai vérifié mes fichiers, ça marche pas. Je sais plus quoi faire, je pense qu'il va falloir que je retire le jeu, mais ça va me casser les couilles bien comme il faut. Enfin bon, on verra bien, mais bon, je vais rester. Je vais essayer de réinstaller le jeu. Et en espérant que ça marche. Sinon nous on va espérer tomber sur une bonne partie. Allez, on va se remettre bien. De tier 2 en mode James Bond. On va essayer, mais bon. Alors, faut de la chance, vu qu'aujourd'hui j'en ai pas. je pense que ça va mal passer. Mais va te faire foutre, toi. Voilà. Alors, le mousing. Ouais, non, je vais garder le mousing au cas où. Voilà. Donc, on va se faire une partie. Je pense que cette fois-ci je vais faire vraiment qu'une seule partie. On verra bien. Mais on va pas trop s'attarder dessus. De toute façon, avec Miss Creative et Breaking Point qui veut plus marcher, bah je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Ça me fait chier. J'avais le jeu de Soupy que je vous avais dit qui est complètement gratuit. Je l'ai par DL, mais on va se faire chier. Sérieusement, on va se faire chier. Ce style de Left 4 Dead, ma version plus ratée, plus basique en fait. C'est vraiment très très basique, c'est pour ça qu'il est gratuit. Ouais, il y a moyen ici. Il y a moyen. Bon, on voit la perte si je le fais au pistolet, mais bon, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça dépendra du niveau de la team, mais bon, pistolet ici, j'ai intérêt à faire beaucoup les couloirs. Ça va pas être évident. Ok, donc il a qui passe de niveau 2, fouleur de noob. Fouleur de noob aussi avec son tier 1. Ouais, t'as fouleur. Me regarde pas comme ça, Warz. Ah, Cuny à la Winchester, magnifique. Lui va se faire dépouiller la gueule. Comment Greenmander? Voilà, tu regarderas à la fin. Et moi avec mon pistolet, super barbare. Donc je réfléchis vite fait. Par où je pourrais passer? Couloir de droite, c'est risqué. Donc je pense que je vais prendre middle. Il y a moyen que je fasse. C'est des batteries, donc le mieux c'est de passer à droite. Mais il y a moyen de faire des trucs sympathiques si je passe. Si je passe par ici. Putain, arrête de full, t'es à 3 km du mec, mec. Bon. Putain de campeur. Merde, c'est l'autre porte, j'ai oublié. Ok, toi je t'ai vu. Allez. Carrément dans leur spawn, ces vilains. Oh, vas-y. Avec ton petit bécal. Ah! Allez, il faut que je me mette dans l'ambiance. Qui me fait chier, c'est que j'ai appuyé sur clic droit, ça n'a pas marché. Ok, je bug en fait. Ok, c'est carrément le jeu qui déconne. Ouais, il a des petits. Oh là 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 là. Ouais, mon aim est pourri aujourd'hui, ça se voit.
Ok, j'ai eu une fausse mort, ok, donc il doit avoir un désaccro, je pense. Il doit avoir une salle désaccro. Il est passé où le mec? Ah, ok, il m'a back pendant que je le. Putain. La blague. J'aurais préféré avoir école, sérieusement, école c'est beaucoup plus gérable avec. Vas-y, mec. Avec le pistolet ici, c'est les couloirs, mais bon, c'est encore à distance. Avec le silencieux, c'est pas évident. Si les pistolets faisaient un peu plus de dégâts, ce serait déjà un peu plus gérable. Ok, je t'ai vu. Ah, mais regardez-moi toutes les balles qu'il faut que je lui mette. Il devrait avoir une pénalité de tir quand je lui tire dessus. Là, j'étais derrière le rocher et tout, c'est. Il a eu du cul, mais un truc de fou. Bah, je pense que c'est ça va pas aller aujourd'hui. Je vais galérer, mais un truc de rare. Allez, une tête. Une tête, c'est beau. En plus, mon problème, c'est que j'ai monté mon pistolet à l'arrache. Et j'ai pas mis les bonnes stats. Vu. Il a moyen de faire un truc là. Ah, fait chier, le noscope est vraiment pourrave. Hein. Ah, l'autre est venu m'aider 2 heures plus tard, forcément. Comme d'habitude, hein. Je cherche pas les bonnes vieilles habitudes de merde. J'aurais peut-être dû prendre le scope, hein. Je pense que j'aurais plus facile. Maintenant, à la mire, je trouvais ça, je sais pas, ça va être la gueule. Ok, toi je t'ai vu, tu me vois plus. On va quand même essayer de protéger la batte. Hein. Non mais il m'a one shot, regardez-moi ça. Hein. Pff, comme par hasard dans la tête. Ah, ça va pas aller. Hein. Ça me fait chier, putain. Il a pas moyen de trouver une bonne map. Hein. Si on pouvait au moins choisir son serveur, putain. C'est trop demandé dans ce putain de jeu à la con. Non mais regardez-moi toutes les balles qu'il faut que je mette. Le mec il était cul nu, il tire deux et je suis chatouillé avec mon pistolet de paintball là. Pff, encore, hein. Paintball je l'insulte. Quoique je vais pas dire soft. Ce pistolet lance caoutchouc. En fait, il faut vraiment que j'arrive à les back. Ok. Truc, c'est vraiment, il faut que je les back. Pour avoir une chance. Une seule chance. Non, mais regardez-moi ça. Je suis balancé combien de coups là? Putain. Ouais, merci de me tirer dessus avec ta mitraillette, toi. Ok, mon pote est mort. Putain, allez, vas-y, arrête de te bloquer partout. Tu aimes ce blanc dépasser par là? Non, mais. Il serait tellement mort dans la réalité. C'est vraiment pour forcer les mecs à prendre des mitrailleuses et full auto, mais c'est. Cette mentalité ukrainienne ou russe où je m'en bats les steaks là. Putain, il faut vraiment qu'ils révisent. Hein. En plus, je peux même pas monter. Bah, la case de tir, bon, pff, je m'en fous. Hein. Je suis pas. Je suis pas le mec de l'expandable quand même. Je suis pas Stallone. Qui fout l'auto, qui recharge en 2 putains de secondes. Piège à l'eau à la con. Non, non, pas à ce point là quand même. Mais. Ok, ça campe sévère. Allez, putain de bite. Campé avec un minigun, avec un Uzi en plus. Ça c'est le seul homme des petites bites, ça. Elle est complètement craquée cette arme, il arrive encore à camper avec. Ah là là. Je suis les noobs. Je suis les petites bites. T'es pas mort. Avec ça. Une petite bite de. Putain, mais prends ta tête, sale.
Il est où? Ok, il se casse. Il se chie dessus. L'entends, il est au-dessus de moi. Non, mais regarde-moi toutes les balles que je dois lui mettre sérieusement là. Mais va te faire reculer, toi. Va chier. Merci pour l'aide à les alliés, comme d'habitude. Vous êtes mon héros. Faut dire que je joue pas l'objectif, donc je peux encore les comprendre. Mais bon, de toute façon, ça change pas, hein. Une fois que c'est moi qui joue pas l'objectif. Ah putain. C'est bon? Ok, est-ce que j'ai pas. Non, j'ai pas ma grenade. Je vais encore le louper. Bah oui, parce que je sais jamais où je dois tirer. Allez, coup de crosse qui pue la merde, comme d'habitude, hein, pour pas changer. Et les alliés qui attendent 2 heures pour m'aider. Bon, au moins on gagne, c'est ce qui compte. Mais je pense qu'avec un petit collimateur, ça irait mieux. Parce que là, ça passe vraiment pas. Bon, par contre, c'est pas pour dire, mais bon, tous les mecs se sont fait descendre du côté gauche. Et ça viendra à personne qu'il faudrait couvrir le côté gauche. Mais va te faire enculer, mec. Voilà, meurs. What the fuck? J'ai pas compris, mais... Ah ouais, maintenant il était au pompon. Allez, mec, tu peux le gérer. Moi, j'ai pas que l'autre. Où qu'il soit. C'est bon? Ouais. Il me restera encore un pistolet à monter, tier 4. Je l'avais carrément oublié, bah l'APS justement. Je l'avais carrément zappé ce fusil. Ce pistolet. Ok. Bon. On va avoir un jack sur l'objectif. Ouais, je l'ai mangé la grenade. Je l'ai tellement bien mangé. Ok, toi je t'ai vu. Voilà. On a juste tout de suite moi. Il se cache juste là, hein. Je l'ai vu. Ah, vas-y, putain. Toi, est-ce qu'est-ce de tir 3, putain. Si on pouvait au moins jouer avec ces mecs du tier 2 aussi. Ah là là, putain. Leur système à la con d'auto-équilibrage et d'équilibrage par niveau, partir à la con là. Putain. C'est bien parce que j'ai rien d'autre à jouer. Tu joues à cette merde. Avec cette communauté à 2 penny. Je suis quand même deuxième, hein. La... La blague. Allez, ce qu'on va faire. On va faire le vrai James Bond. Il va venir. Même pas. Ok, il m'a vu. Il m'a vu, mais il s'attend pas à ce que je le back normalement. Olé, la double shot. Voilà, c'est ça qu'on veut. Va te faire sodomiser. Il y en a un au-dessus de moi. Merde, un Onyx. Ah putain d'Onyx.
Putain, allez, descends. Ils vont essayer de venir me chercher. Allez, bouge, 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 bouge. Il est où le mec? Putain. Toi, ta gueule. Ok, il est mort. Ok, il y en a au-dessus. Vite, 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 faut pas que je reste là. Putain, mais meurs! Sérieusement? Non, mais les mecs! Oh, laisse tomber, je peux pas faire tout là. Je pouvais déjà m'occuper de l'autre là. Bah c'est bon, on les enchaîne. On va quand même les aider un peu, hein. Allez les mecs. Faut pas qu'on perde. On va être à 5-4, putain. Allez mec, aide-moi. Prends cette putain de batterie mec. Hâte de dormir. Ça va être 4-4 bientôt donc. Je vais essayer de la récupérer la dernière. On va faire une pause sur le pistolet. Juste pour gagner. Allez, go 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 go. Putain. Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Oh mais il devrait être mort, fils de pute. Allez, meurs, sérieux là. C'est ballon caoutchouc. On va gagner, putain. Sérieusement là, allez récupérer la batterie. Ils l'ont pas prise encore. Hein. Il y a encore moyen de gagner là. Mais le mec il se prend trop de balles. Il se prend clairement trop de balles, il veut pas mourir. Allez, prends cette foutue batterie, putain, arrête de faire le con. Vas-y, ok, bon, je la prends. Couvre-moi. Bon bah c'est fini de toute façon. Quoique j'ai encore 12 secondes. J'ai largement le temps de la poser. Voilà. Parfait, je gratte des poils comme ça. Ah, il y avait une petite grenade qui arrivait. Ben voilà, on est bien. J'ai joué. C'était pas terrible, terrible quand même le mode. Mais bon, j'ai bien enchaîné à la fin. J'ai galéré et puis j'ai enchaîné. Oh yes, en plus des pièces, c'est bon ça. Ben voilà, j'ai la précision, j'ai la totale, je suis premier. Ben voilà, c'est magnifique ça. It's beautiful. Ce qui est bien, bah oui, maintenant c'est fini les pièces, mais c'était, je jouais pas mal en tier 2 justement pour avoir petit stuff en tier 2. Maintenant il est pas, voilà, il est pas fini. Hein. Les chaussures ne sont pas finies, les corps le sont. Le torse, c'est 0,5 quoi, le mouvement speed. Donc vous voyez, je l'ai pas encore fini fini, mais il est déjà bien poussé. 29, je suis meilleur que le mec à... Il fait combien l'autre le... Voilà, le Green Vader là avec son... En mode Cuny Winchester 3-11. Ils sont mauvais, sérieusement ils sont mauvais. Les mecs qui jouent même avec une qui paraît, c'est... Faut pitié, faut vraiment pitié. Alors, Barbara Ghost. Oula, Madis Espagna.
Attends, le registre de... Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai encore celui-là, la pièce que j'ai pas montée. Je l'ai pas fini. Il y a déjà un bon début, mais c'est pas fini. Voilà, donc le pistolet, je voulais regarder. Oui, mais je vais pas gaspiller mes pieux. Non, je vais pas gaspiller mes poils là-dedans, ce serait débile. Maintenant qu'on s'est plus looté via le truc, je vais sûrement pas faire cette connerie là. Tiens, je vais monter cette tenue là. Ah, ça, donc. Ah, je vais monter celle-là alors. Edge Regen, parfait. Va faire plus simple. Donc, tous les profils, on s'en sort à peine. Hein? Bon, c'est déjà plus pratique. Donc voilà, armure pénétration. Sort va, je peux pas le monter, c'est pas grave. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Putain, quelle est cette merde. Regardez-moi ça. C'est honteux de me faire ce coup-là. Non mais sérieusement là, j'ai même pas une stat viable là-dedans. Bon, réduction des dégâts, ça peut être bien. En attendant. 0,4, c'est minable. Pantalon, attendez, je réfléchis. La régénération, il me la faut de toute façon. C'est sûr, ça. Maintenant, je pourrais peut-être mettre l'énergie cost à la place de l'armure pénée. Non, non, je vais mettre. Ouais, non, non. Je préfère jouer sur T. Voilà. Alba, mon MPC, regardez, je vais vous la montrer. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. J'ai mis la poignée, le silencieux. Je trouve qu'elle. Je suis pas fan de l'arme, hein, mais le skin sur le jeu, elle donne bien. Elle t'atteint vraiment bien. Je trouve qu'elle a vraiment une belle gueule comme ça, avec le silencieux, le petit collimateur, la poignée. Par contre, le chargeur est toujours aussi pur. Je déteste le chargeur, ça pue la merde. Enfin bon, faut voir ce qu'on a. Hein. Voilà, on va refaire une partie 2. Je pense qu'on va s'arrêter ici, les amis. C'était vraiment une petite présentation. Bon, là, c'est pas trop ce que j'attendais, donc. Peut-être que bon. Ça s'est très bien passé. C'est pas vraiment ce que je m'attendais. J'aurais vraiment voulu faire des enchaînements et tout, un peu plus poussé, mais encore une fois, c'était une map couleur, mais pas une map couleur comme je voulais en fait. C'était vraiment pas ce que je voulais. Non, je suis sûr que si je prends, non, non, si je prends le bazar, je vais louper tout à côté. Vais clairement louper tout à côté. Le silencieux, c'était pas mal. Je trouvais ça stylé avec le gun. C'est pour ça que j'ai appelé ça un petit coup de James Blonde. Ça donne un petit côté autre que survarectum. Mais bon, je montre un petit peu vite fait quand il me reste encore quelques points. Je gratterai bien quand même. Donc tier 6, reload speed, je vais regarder un petit peu les stats. Aiming time est monté à fond. Ok. Donc ça c'est parfait. Le 6 est bon. Donc j'ai acheté tout l'équipement, toutes les armes, à part le Pilgrim tier 10, ça je l'ai pas acheté, mais j'ai acheté tout. J'ai tout acheté l'équipement. Ouais, je suis bien en argent. Maintenant avec leur système à la con qui est déséquilibré, j'ai trop d'argent et j'ai pas assez de bazar pour les dépenser. C'est n'importe quoi. Par contre tier 6, vu que c'est quand même le tier que je joue pas mal, j'adore le tier 6 et le tier 5. Maintenant je préfère quand même le tier 10 pour tomber sur des joueurs un peu plus corrects. Merde. Bah non, c'est bon en fait. Ouais, donc le pantalon, il est monté, mais clairement pas les chaussures. Bon. On va faire ça. Hein. Allez, peu de chance. Ok, parfait.
Mouvement speed en avant tout. Bon, j'ai pas assez, c'est pas grave, il a un bon début. Putain, mais la journée, c'est des gros noobs et des gros campeurs qui jouent, enfin, qui jouent. Bah ouais, mec, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ce jeu rempli de trous du cul. Bah bon, l'avantage, c'est qu'ils soient ici et pas ailleurs. Donc, qu'ils restent ici, moi, ça me va, hein. Mad Goose Bat. Putain. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée les amis. On se retrouve prochainement, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Je vais rester à l'administratif, j'espère que ça va aller. DZ, je commence à vachement être gavé de ces textures qui cherchent à s'en mettre, même pas. À ces bugs d'inventaire des fois qui sont horribles. Assez mine qui te défonce ta journée quoi. Tu tapes 2 heures de loot pour bah, une bonne demi-heure pour monter jusqu'à l'airfield facile. Sauf si tu passes Astéry pour te looter et puis tu te fais bien niquer par une mine, c'est dégueulasse. En général, je joue le soir et ça pas autant que ça que je trouve. Ah ouais. Pff, de toute façon, il n'y aura pas d'évolution. Hein. Quand on est con, on reste con. Hein. Ça, malheureusement. Je vous ferai une petite. On repartira avec un MP5 parce que mon arme elle tape pas fort donc c'est vraiment une arme équilibrée. Il faut quand même pas mal tataner. Mais bon, elle est pas. Je sais même pas si elle est montée. Non, elle est pas montée à fond hein, la MP5. Non, non, non. Il faut que j'augmente les damage. La cadence de tir elle est parfaite. J'ai même pas besoin de la monter à plus 10. Elle est nickel comme ça. 800 de cadence de tir c'est pas trop peu, c'est pas trop. À partir de 900, je trouve que c'est beaucoup trop moi. C'est. Tu fous. Tu mets le poids sur l'ennemi, tu fous l'auto, c'est fini, chargeur, c'est parti et c'est dedans quoi. Non, non, non. Ce qui est bien avec le P5, c'est qu'elle fait très très peu de dégâts. C'est pour ça que j'ai mis le plus sec de dégâts. De toute façon, dans les armes, ça marche très bien le plus sec de dégâts. Pas dans toutes, mais bon, dans une majoritaire. Une majorité. Mais voilà, je ne la supporte pas là, mais ici, elle est belle, voilà. C'est vraiment le skin qui défonce, sinon elle est très chiante à utiliser vu qu'elle fait très très peu de dégâts. En tier 6, l'arme la plus pétée, attendez, je vais vous dire ça. De toute façon, c'est la SRDM, hein, la plus craquée parce qu'elle a une cadence de tir abusée. Voilà, 900, je l'ai même pas montée, c'est pour dire, elle monte jusqu'à 960, un truc comme ça. Mais sinon, t'as la SOCOM qui en snipe, elle défonce tout. Maintenant, je crois que c'est 2-3 coups, c'est un peu comme la SOC, non, c'est pas la SOC que je pensais. La SOCOM, je sais plus, enfin bon. La KS qui est très 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 bonne. Un petit peu trop, je dirais. Je la mets en silencieux, elle est vraiment très très stylée. Je vous ferai une vidéo dessus parce que elle est dégueulasse, la KS. Les AK, j'ai jamais aimé à part la KM. Mais bah, en tout cas, niveau skin. Mais elle donne vraiment bien plus avec le silencieux, elle est pas trop cheatée, elle est pas trop. Elle est toujours aussi. Elle est quand même OP, hein, mais. Elle te fait moins de trucs chelous que si tu l'enlevais. Elle passe. Elle passe vraiment, mais bon, dans les couloirs après, ça devient un peu chaud. Sinon, en tier 7, bah, c'est la FNC qui gagne, c'est certain, complètement cheatée. Puis je dirais la VZ qui est très polyvalente. La VEP, elle est agréable à jouer. Mais il faut quand même pas mal de balles. Je sais pas, je trouve qu'elle tape pas très très fort quand même. Pourtant elle a une belle mire et tout, mais je sais pas. J'ai du mal. Pour toi c'est mon arme préférée, tier 7. Bon, tier 7, toutes les armes sont vraiment. Voilà. Elles sont toutes quand même assez abusées. Mais la FN, elle est top. Elle est complètement abusée. Complètement abusée. J'ai réessayé aussi le SVD, j'avais fait une bonne session, je les avais bien ouverts. Un peu comme la SOCOM, mais je trouve que l'SVD est encore mieux que la SOCOM, malgré son scope qui est pourrave. Je crois que j'ai un nouveau scope. Ah non, j'ai toujours le scope de merde parce que je ne l'ai pas monté. C'est l'arme que j'essaye de monter pour l'instant, donc je vous ferai un petit montage dessus. Mais voilà, elle n'est pas montée, mais elle est vraiment très très agréable à jouer. Maintenant, il faut vraiment être très très précis avec.
Sinon, la balle passe à côté. C'est vraiment très. C'est même plus chaud que le soukoum, elle disait. Mais j'adore. Je suis pas fan de l'un, mais sur le jeu, encore une fois, ça demande une maîtrise. Alors que la soukoum, je sais pas, je trouve que la radio, ça peut craquer. Enfin, on va dire ça que le PP2000, elle est OP. Voilà. Ils sont vraiment très très mal équilibrés dans ça, je trouve. Soit t'en as une qui différencie sur tout le tiers, soit t'en as qui sont tout OP pour le tiers. À tier 6, elles sautent quasi toutes, à part peut-être la KAS qui peut se différencier un petit peu niveau 1, mais elles sautent tout OP. Sérieusement, elles sautent tout OP. Mais dans le bas tiers, dans les hauts tiers, là directement tu le sors. Par exemple, si tu vas au tier 10, voilà. On en voit très peu jouer à la VH parce qu'elle est compliquée à utiliser, je trouve. L'âge 12, il y en a beaucoup parce que c'est un tank, le truc, ça te découpe mais tellement facilement maintenant. Elle est un peu plus chiante à utiliser, je trouve. C'est vraiment plus au corps à corps qu'à longue portée. La K12, c'est la plus polyvalente, encore une fois, c'est un peu comme le VZ. Elle est très très polyvalente, c'est pour ça qu'elle est très utilisée. Elle tape vraiment fort. Voilà. Le TS, elle est très chiante à utiliser. C'est une genre d'MP7, on va dire. C'est spécial. Sérieusement, je la trouve spéciale. Avant, j'arrivais bien à jouer avec. Maintenant, j'ai du mal. J'ai vraiment du. Je galère avec. L'HK et la Sval, c'est. Jusque-là, la 545 TZ appuisée qui te fout l'auto. Hein. Leur cadre de tir, regardez, là, qu'avoir 235 et encore la SVA, je l'ai enlevé. Ah non, je l'ai laissé. Ah bon. Mais voilà, c'est bon que pour les fouleurs, ces armes. C'est vraiment bon qu'à ça. Stopette, stop, je sais jamais. J'arrête. J'arrête pour aujourd'hui. Je sais jamais. Enfin bon, il aura compris au moins. Encore un peu de mal. Hein. Enfin bon, mais voilà. Le socle RSC récemment, ça vaut pas le coup. L'esquesse, j'avais fait des beaux trucs avec. Maintenant, il est pas évident à utiliser. L'esquesse, je la préfère au socle. C'est quoi ça? Clairement, l'esquesse. Qui gueule dehors là. Je la préfère largement. Mes mecs, arrête. Enfin bon. Ça m'appelle ou quoi là? Je sais pas, enfin bon. Mais sinon, à tier 6, voilà l'RPD encore qui a une belle tuerie, qui a trop de recul, qui a pas assez de recul en fait. Clairement, elle est carrément pétée, t'as ça en mal au chargeur, t'as pas de recul. Elle est pétée, sérieusement. Je sais pas comment. Si c'est un programme qui équilibre les armes ou c'est eux, mais en tout cas, c'est foireux. C'est vraiment foireux. La Kipa ici qui te fout l'auto en mode MP7 complètement pété. C'est n'importe quoi. L'Uzi qui a une très peu de cadence de tir, c'est vraiment de la précision en fait l'Uzi, je trouve. T'as très très peu de. Je l'ai monté, voilà, je suis à 660, c'est vraiment limite, mais elle est top. Sérieusement, elle est OP parce qu'elle est très très précise. Mais voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à laisser un petit like. On a fait un peu. On a plus fait des discussions que jouer, mais bon, ça. Si on a certains qui voulaient avoir un petit avis ou quoi sur les armes, ben, ça a été fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît uniquement. Et je vous dis, laissez un like comme d'habitude, les amis. Hein. Laissez des likes. Laissez des dislikes, voilà. Si vous trouvez que la vidéo bah, vous a pas plu, bah, je vois pas trop l'utilité de mettre un dislike. Donc, si vous la trouvez vraiment pourrie, là, je peux comprendre, mais bon. Bah non, mais pas bon. Je peux comprendre. Voilà. Chacun a son avis, chacun a ses goûts. On peut pas tout aimer non plus. Ah, sa queue là dehors, c'est bizarre. Enfin bon. Allez, les amis, à la prochaine. Salut.